Et bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! Hop! Bon. Laissez-moi juste régler deux secondes la caméra et je suis à vous. Coucou Lex, coucou Fergraf, coucou le petit. J'espère que vous allez bien en cette belle matinée. Bon, est-ce qu'il y a des trucs à régler sur la caméra au moins? Hop là, là, l'exposition. On peut descendre à Chouya, il me semble. Oui, tout à fait. La mise au point, on s'en fout. Hop là, on va ajouter un peu de contraste. Et on est pas mal. Et on est pas mal. On applique, on fait OK, on fait OK. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, bien content de vous voir ce matin. Bon, vous vous en doutez vu ma tronche, j'ai encore pas dormi, hein. Mais, si je peux vous donner un conseil, regardez Né un 4 juillet, un film avec Tom Cruise qui est très intéressant, et aussi Les chemins de la perdition avec Tom Hanks. C'est ce qui m'a tenu éveillé cette nuit, mais ce sont d'excellents films, donc je vous les recommande chaudement. Coucou Monsieur Hugo, bon, on va attendre un petit peu que les gens arrivent, hein. Bon, je sais qu'il y a jamais le grand monde, surtout en cette période de vacances. Mais tout de même, coucou Janela, coucou Darko, coucou tout le monde. Bon. Non mais, les meilleurs restent, le petit, t'inquiète pas. Bon. Coucou, coucou, coucou. Bon, est-ce que vous allez bien ce matin déjà? Est-ce que vous êtes en vacances? Parce que là, le temps file, hein. Là, il y en a bien un ou deux qui sont en vacances dans le tas. Vous êtes tous des adultes responsables, voilà. Évidemment. Mais au taf, c'est pas la folie non plus, quoi. D'accord, donc on a deux groupes sociaux. Ceux qui sont en vacances et ceux qui nous foutraient au travail. Télétravail, le bon plan. Hello, faut pas rêver, je serais pas de vous à 7h si j'étais en vacances, oui, tu m'étonnes. Ah ouais, évidemment, il y a un peu de taf, mais bon, on reste juillet-août. Hein. Hello, MDR, la pub Stadia avant le live, oui, vacances jusqu'à mardi. Ah ben, ils sont malins aussi, ils vont quand même placer les pubs là où il faut. Bon! Fin septembre, vacances, et je bosse à 10h. Oui, en vacances. Et là, vous avez bien de la chance. Moi, je ne suis pas en vacances. Est-ce que c'est de la jalousie, peut-être? Bon! Alors, le sujet du jour. Je vais pas vous mentir, j'ai trouvé sur le chemin. Parce que vous savez que c'est toujours très peu organisé, ces principes du shadowboarding, finalement. Mais alors, de quoi on va parler? Eh bien, comme je dis sur Discord, notre CM préféré, qui était avec moi depuis les débuts de Shadow, vous le savez peut-être pas, mais voilà, les premiers communicants, on va dire, officiels de Shadow, c'était Zou et moi. Zou est parti aux États-Unis. Alors, ça nous a tous fait beaucoup de peine, évidemment. Mais elle n'est pas partie pour travailler ailleurs. Elle est partie pour travailler chez Shadow. Donc, en soi, elle reste dans la maison, quoi. Mais dans la version US de Shadow. Et j'ai déjà eu plusieurs fois la question, sur Discord notamment, hein, de... Ah ouais, ça doit être trop stylé, les bureaux US, mais oui, comment ça marche, tout ça. Est-ce qu'il y a une différence d'état d'esprit, voilà. Eh bien, nous sommes là pour répondre à cette question aujourd'hui. Alors, déjà, les bureaux US, pour situer un petit peu, c'est en Californie, dans la Silicon Valley. Un endroit formidable. Et c'est... C'est pas qu'il n'y a pas grand monde, c'est que forcément... On s'y est depuis longtemps. C'est à peu près une quarantaine de personnes. Bonjour, un crâne, s'il te plaît. Zeko, tu te calmes. C'est un bureau de 40 personnes. Et c'est vrai que l'ambiance y est un petit peu différente. US oblige. Mais alors en quoi, finalement? Bah déjà, une Red Bull, si vous voulez. Pas de Red Bull ce matin, là. C'est ouf. J'ai mon petit café, hein. Ce sera amplement suffisant.
Parce que vous comprenez bien que là, entre une bande de cramés qui font leur boîte en France et l'implémentation aux États-Unis, il y a eu des nuances, logiquement. Une P2 en 50. Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes beaucoup trop en forme pour moi. Déjà, il faut savoir un truc quand on recrute aux US, spécialement en Californie, c'était beaucoup plus compliqué. Arrête de nous donner faim aussi. Eh ben, achetez-vous des croissants avant le Shadow News, les gars. Enfin, avant le Shadow Morning. Hein. Vous savez que c'est le principe du truc. Hein. Donc, recruter aux US, c'est un peu compliqué. Première chose, ça coûte méga cher. Coucou, Bigo Wolf. De Slovénie, carrément. Putain, ce vieux rajout des échos. Hein. Ouais, moi j'y pense chaque matin quand j'y vais. Hein. Ah. C'est un peu ma récompense. Et il passe de bonnes vacances avec les deux petites. Et c'est gentil de nous regarder ce matin. Donc, c'est très compliqué de recruter aux US parce que ça coûte méga cher. Genre vraiment, vraiment cher. Vous pensez bien, c'est la Silicon Valley. Techniquement, il n'y a que des high profile qui sont là. Et ça coûte ultra cher. Mais dans le sens où ça peut te coûter. C'est pas de mon côté. Dans le sens où ça peut te coûter peut-être X milliers de dollars par mois. Mais bon, ça, bon, pourquoi pas. Mais il y en a aussi qui demandent des parts dans l'entreprise, un bonus d'entrée, ce genre de choses. Donc, autant vous dire que c'est très compliqué de recruter correctement. Heureusement, et ça c'est le gros avantage de Shadow. Y'a que Firedraft qui a plus son ou pas? Bah c'est bon! Y'a tout ça? Ouais bah c'est bon. Vous avez le son ou pas? Non mais oui, vous avez le son ou oui, vous avez pas le son? Ça n'aide pas comme précision le oui. Dites oui, je possède le son. Comme ça au moins on est sûr. Formidable! Donc, si je fais ça, vous l'avez, c'est bon. Ouais, d'accord. Vous l'avez en Dolby 5.1, là. Meilleure réponse. C'est pénible, mais oui. Moi, ça veut dire que ça marche. Oh! Je vous rassure, c'était mon dernier, de toute façon. Donc, calmez-vous. Hop là. Ah, c'est bon, j'ai plus besoin de mettre. Et ouais, je me lève à 7h, hein, c'est un minimum. Comme Willy Denzé, je passe le mur du son. L'homme, je te déteste pour cette référence. Donc, comme je disais, c'est très compliqué de recruter des gens. Heureusement, Shadow étant un beau projet, on arrive à trouver des profils intéressants pour travailler chez nous. Mais c'est pas le même profil qu'ici. C'est ça qui est amusant. Vous savez, bon, vous prenez ici, donc dans cette belle ville de France qui est Paris, on arrive à trouver des gens motivés d'un peu tous les horizons, mais surtout pas mal de jeunes. Ça, les mecs qui viennent de chercher, les gens qui se lancent dans la vie active, qui veulent un premier emploi, et qui se disent j'ai envie de bosser pour une boîte méga stylée, ils viennent chez Shadow. Tandis qu'aux US, la moyenne d'âge est plus élevée. Alors pourquoi, me direz-vous? Alors selon moi, c'est une théorie personnelle, j'ai l'impression que les jeunes têtes pensantes de la Silicon Valley ou les jeunes qui cherchent un taf à la Silicon Valley, je pense qu'ils vont plus s'orienter vers des grosses boîtes pour commencer. Pour que ça pèse un peu sur le CV. Tandis que ceux qui sont un peu plus âgés, alors quand je dis plus âgés, attention, hein, on est sur des gens qui ont entre 30 et 35 ans, donc pas non plus méga âgés, mais voilà, qui ont déjà une expérience solide dans d'autres boîtes, se disent tiens, j'irai dans une start-up un peu fofolle et tout, parce que voilà. C'est pour ça que des gens chez Shadow US ont, de 1, un âge plus élevé qu'en France, dans la grande majorité. Il y en a ceux qui bougent ont déjà un bagage pro. Oui, voilà.
Mais c'est surtout que c'est des high profile un peu, dans le sens où on a des gens qui ont travaillé chez... on a qui ont travaillé chez Nvidia, on a un qui a travaillé chez Atari à l'époque, pour vous dire. Ouais, bref, qui ont fait un peu toutes les boîtes tech à droite à gauche. Et c'est ce qui recrée aujourd'hui l'équipe ShadowUS. Donc déjà, il y a cette grosse différence en termes d'âge. Genre, tu débarques chez ShadowUS, je pense que la moyenne d'âge doit être plus aux alentours de 30, 32 qu'on a en France, qui doit être autour de... Ouais, on doit plus être à 27, 28, je pense. Shadow, encore une fois, c'est des estimations, attention, hein, ça a pas valeur... hein, voilà, mais c'est l'impression que ça donne. Donc déjà, la différence, c'est l'âge. Donc, et aussi, c'est la différence, c'est les conversations qu'on a avec les gens, parce que vous pensez bien que des mecs qui sont dans la Silicon Valley depuis un moment, ils ont un bagage et une vision des choses qui est assez différente et enrichissante, évidemment. Ça, c'est la première différence. Ensuite, et le fait que l'équipe aussi est beaucoup plus petite, c'est assez amusant. Il y a David Goudenov qui travaille pour vous, si seulement. Meilleur personnage du jour du running, au passage. Ensuite, la deuxième différence, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Et c'est ça qui est aussi amusant. C'est que du coup, ça permet de retrouver un peu l'esprit de Shadow du début. Quand on était tous... quand on était beaucoup plus petits. Parce que moi, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai commencé... Shadow, on était 7. Aujourd'hui, on est 220 en tout. Les US, ils doivent être à 40, peut-être 50 maintenant, hein, voilà, avec le temps qui passe. Mais ils sont ce côté un peu foufou, des débuts, où en gros ils sont tous rassemblés dans la même pièce, à travailler de concert. Coucou Docteur Valentin. Voilà. Et du coup, c'est là-dedans que notre chère Adelina va s'embarquer. Alors pourquoi Adelina? Parce que vous pourriez vous dire, oui, mais Victor, laissez Adelina ici, ce serait-il pas sympa que finalement, Adelina, et ben elle reste et que vous engagez quelqu'un sur place. Pourquoi on a besoin d'Adelina aux US? Ça, c'est la grande question, finalement. On a besoin d'Adelina aux US pour une simple et bonne raison. C'est que déjà, bon, elle avait un peu envie de tester la version américaine de Shadow. Donc, il y avait une volonté déjà personnelle de sa part. De deux, on avait besoin d'un CM aux US, parce qu'on a des personnes qui se chargeaient du CM, mais qui n'étaient pas CM. Et du coup... je pense aussi qu'on avait besoin de quelqu'un qui avait un peu la French touch dans les locaux. Parce que des Français qui sont là pour transmettre un peu les devs aux US, c'est cher de base, plus cher qu'en France. C'est pour ça que le développement, pour l'instant, il reste en France. Parce que là, le dev États-Unis sera encore plus cher que les autres corps de métier, je pense. Même s'il y a une partie de l'infra, évidemment, qui est aux US pour pouvoir gérer le data center, mais c'est pas du dev. À proprement parler, enfin si c'est du dev, mais vous avez compris le délire. Qu'est-ce que j'ai dit du coup? Je pense que c'est important qu'on ait quelqu'un qui envoie un peu la French touch aux US, parce que des US, enfin aux US, des personnes qui étaient là dans l'entreprise française de base, il y en a, alors si je dis pas de bêtises, hein, il me semble qu'il y en a pour l'instant, sans compter Zoom, il me semble qu'il y en a 3. Il y a Asher, qui est un des cofondateurs. Il y a Ness, qui était avec nous aussi au début, et il y a Alexis, qui est un des premiers devs, qui s'occupe de l'infra, justement. Et ces gens-là font un travail qui est formidable, mais ils ne sont pas dans la communication pure et dure, et dans le « je mets les mains dans le cambouis et je balance des vannes sur Twitter ». Et je pense que c'est important un peu qu'on ait... Toi, t'as jamais envisagé d'y aller aux US pour le boulot? Je vais pas vous mentir, ça m'a traversé l'esprit. Mais déjà, il y a pas mal de trucs à faire ici. Je pense que c'est important de rester. De deux, ça veut dire que si moi je partais... enfin déjà, en imaginant que les gens ici seraient d'accord que je parte, hein, ce qui est totalement hypothétique. Mais imaginons, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi que je prenne mon équipe, donc Dimitri et Erwan. Même si Erwan, il dirait pas non, évidemment. Et il y a aussi une personne qui est chère à mon cœur, à savoir ma fiancée, qui serait moyen chaud. C'est pour ça qu'il y a de temps en temps, c'est très cool après. L'Anthony... Qu'est-ce que c'est que ces bails, là, entre vous, hein, entre Zeko et Lolom? Attention, hein. Donc,
Donc c'est pour ça que je suis quand même allé aussi. C'est quand même pour ça que je suis allé aussi avec la team à un moment, pour voir un peu sur place et échanger avec les gens et bosser avec eux. Victor, jalouse pas, ok. Ah non, non, pas du tout jaloux, je suis très très heureux pour Zou, et de toute manière, je sais qu'on la reverra travailler là-bas. Donc, cela étant dit, je pense que c'est important qu'on ait une Adelina qui soit là-bas, pour un petit peu, finalement, apporter cet esprit-là dans la communication, dans l'esprit aussi. Puis, il faut dire aussi que Zou, vu qu'elle est complètement ch'tarbée, elle permettra aussi un peu de montrer aux gens qui bossent aux US, comment c'est, qu'est-ce que c'est finalement l'esprit français. Autant vous dire que de ce côté-là, ils seront un petit peu déçus. Mais bon, ça va être un peu le travail de dessous. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que c'est un petit peu la différence quand tu travailles là-bas, un à l'autre, à part les gens, tout ça, tout ça. Déjà, les horaires. Ça, c'est un truc qui m'a étonné. C'est qu'en fait, ils ont un temps de trajet genre, qui est gigantesque aux US. Du coup, ils ont le courage. Elle reviendra de temps en temps quand même à Paris, non? J'espère, docteur. Je pense que oui. Par exemple, voilà, le télétravail est assez encouragé aux États-Unis. Alors, je parle pas de Shadow US, mais je parle en général. Parce que les mecs, parfois, ils ont 2 heures de bagnole. Matin et soir. Donc déjà, hein, est-ce qu'on pourrait dire, oui, la Silicon Valley, c'est vrai. Non, il y en a qui habitent assez loin parce que ça coûte assez cher. Donc déjà, il y a ça. Ce qui fait que des fois, tu vois un mec qui se pointe à 11h, il repart à 14h. Ça veut pas dire qu'il bosse de 11h à 14h. Donc, c'est-à-dire qu'il va bosser de chez lui en attendant et qu'il avait une réunion, il avait un machin comme ça, mais sinon il bosse de chez lui. Ou alors, il y a l'inverse. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Ryan qui fait ça. Un des mecs qui bosse aux US, qui est le directeur marketing, je crois. Lui, il a fait un choix plus original, qui est d'arriver à 6h du matin et de repartir à 21h. Autant vous dire que ça fait des grosses journées. Attendez, ah, j'ai un petit problème. Bougez pas, j'arrive. Tour de merde. Hop. Toujours pas ? Si, c'est bon. Hop là. Donc, chacun sa technique. Et du coup, quoi, il a 3-4 jours de off ? Non, tu penses bien, c'est le chef du market, c'est un bourrin. Il prend pas de pause, Ryan. Mais non, c'est le cap du machin du bidule qui fait chier là. Ah ouais, non, il est méga chaud. De toute façon, ils sont tous méga chauds à la base. Hein, mais lui spécialement. Donc déjà, c'est la grosse différence. De deux, quand je me suis pointé à Shadow US, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, tu vas dans le frigo, il est blindé, mais blindé boisson. Red Bull, Coca, tout ce que tu veux. T'as un petit stand avec des snacks qui est rempli à 24. Et je crois que c'est quasiment un midi sur deux, voire quasiment tous les midis, il y a de la bouffe qui est livrée pour tout le monde. En gros, voilà, t'as même pas besoin de t'acheter à bouffer, tu poses ton cul, tu te sers ta bouffe, en plus la bouffe est méga bonne, et il y a du gras comme il y a du LC, un petit peu pour tout le monde, quoi. Mais pourquoi on ne fait pas ça en France, finalement? Oui, il faut carburer pour le voyage. Employé Shadow, US, diabète sur 20... Non, mais attention, il y a aussi de l'eau, hein, mais hey, les gars, on est quand même aux US, faut pas déconner. Mais alors pourquoi c'est rempli tout le temps, pourquoi c'est tout ça? Eh bien c'est assez simple, c'est parce qu'en fait c'est un peu le minimum syndical à faire pour être une boîte attractive aux US. On ferait ça en France, par exemple, imaginez une boîte en France qui voilà, t'offre la bouffe tous les midis, remplit le frigo d'un milliard de trucs, tout ça. On essaie de le faire en France. Déjà, on est beaucoup plus nombreux, et Slim fait un travail de dingue toute seule. Là, aux US, il y a carrément plein de prestats, il y a plein de prestats qui sont spécialisés là-dedans, parce que, vous comprenez, aux US, dans les startups US, ou même dans les boîtes US, c'est énorme. Mais du coup, il y a un remplissage quotidien de frigo prévu dans le budget. Oui, mais comment dire, en France, c'est Slim qui le fait, qui commande tout ça. Aux US, c'est tu dis le nombre des personnes que t'as, machin, truc, bidule, et t'as un package standard qui est les snacks, le machin, le bidule. Voilà. Du coup, c'est un budget. Parce que voilà, en fait, toutes les boîtes aux US le font, plus ou moins. Prenez Google, par exemple. Google, elle a été élue, je crois, enfin, quasiment chaque année, elle est élue boîte où il fait le plus bon vivre. En fait, tu permets aux employés de saucer de la thune et du temps de trajet pour aller manger plus productivité. Et surtout, oui, ça leur coûte moins cher et ils sont plus productifs. Ils restent plus longtemps dans les bureaux. Mais au-delà de ça, vous prenez Google, par exemple. Donc là, j'ai pas Reeds pour me
me valider tout ce que je dis, mais là, je fais ça de mémoire, mais il me semble que c'est à peu près ça. Le campus US de Google, t'as 4 restos différents, je crois. Des restos en plus plutôt cool. T'as un minibus qui vient te chercher, si t'es loin. Un minibus Google où tu peux bosser dedans. Ils payent pas la bouffe, hein. Évidemment. Ils ont des espaces, enfin genre, vous voyez le campus, c'est ridicule, il y a des salles de sport, tout ce que vous voulez, tout ça gratos. Et alors, je vais pas dire, évidemment, ils sont payés aussi, ils sont payés une blinde chez Google, mais surtout, il me semble qu'il y a peut-être 10 ou 30% de leur temps de travail qui est libre pour travailler sur un projet qu'ils veulent, mais en lien avec Google quand même, hein, forcément. Par exemple, le Gmail, c'est comme ça que c'est né. C'est qu'en fait, ils ont X temps de travail qui est alloué à bosser sur ton propre truc. Ce qui, en soi, je trouve, est méga stylé. Donc, tu travailles, tu le présentes, c'est oui, c'est non, voilà. Donc, ça, c'est plutôt classe. Et en fait, voilà, ça, c'est l'esprit startup US. Tu payes quasiment rien, tout ce qui est salle de sport, machin, bidule, si t'as ça dans les locaux, pour que l'employé soit heureux quand il travaille et soit productif. En même temps, vu la pression que se tape les gars, bon, selon moi, c'est un minimum, mais bon. Et on essaie de répercuter, c'est pas de répercuter ça au maximum. Chez Shadow aussi, non? Enfin, pas pour tous, mais il y a un coup de effet de trucs cool. Oui, mais c'est pas pareil. Après, ils ont une garderie aussi et d'autres trucs pour leurs enfants, mais je pense que la productivité demandée doit être assez dure avec une énorme pression. Oui, évidemment. Évidemment qu'il y a une demande de résultat derrière. Parce que voilà. Déjà, parce que si t'es là, c'est que tu fais partie des meilleurs, en gros, quoi. Mais surtout, c'est que tu dois assumer ton poste de meilleur des meilleurs. C'est ça que c'est pas la même envergure. C'est dans le sens où Shadow, on fait tout ça, la version France. On fait, voilà, au maximum. On essaie d'avoir des deals avec, par exemple, Neoness, vous savez, la salle de sport qui est à côté de chez nous. Ce genre de choses. Mais c'est pas la même chose. C'est quoi là? C'est pas l'esprit US. Donc, la preuve, le budget alloué à ça en France et le budget alloué aux US est drastiquement différent. Non pas qu'on n'aime pas les employés en France, mais c'est parce que c'est pas dans les mœurs. La garderie, c'est pour rester longtemps le soir. Ah, non, c'est sûr que c'est chiant. Une des seules boîtes sur Paris qui fonctionne comme ça, c'est Scaleway. Peut-être, je ne connais pas. Mais c'est pour ça que c'est assez amusant de voir quelles sont les obligations d'une boîte aux US pour pouvoir être attractive, même si ton produit défonce. Parce que ça peut arriver qu'un mec te dise « Oui, bon, d'accord, c'est sympa votre boîte, mais la bouffe, c'est quoi qu'il est ?» Donc voilà, ça, c'était assez dingo, pour le coup, du côté des US. Sachant évidemment aussi que ils ont des façons de travailler qui est un peu rigolo, qui nous paraissent un peu étranges pour nous, forcément, parce que vous savez que Shadow, en France, c'est toujours cette émulsion permanente, tout ça. Eux, ils sont beaucoup plus carrés que nous. Vous savez, avec des réunions, des comptes rendus, tout ça. Parce que ça fait partie aussi de la culture américaine. Et ça, c'est vrai que c'est toujours marrant de voir un petit peu la différence, comment les gens travaillent d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. De voir ce côté très, voilà, très carré, très machin. Encore une fois, ils sont plus âgés, ils viennent de très grosses boîtes. Donc, ils ont ces mécaniques-là qui sont comme ça. Remarque, tu proposes de la bonne bouffe gratuite, je bosse pour le SMIC à 60 heures par semaine MDR. Oui, alors, si tu veux, Arthur, j'aime bien avoir un bon salaire, et en plus, à côté de ça, avoir de la bouffe gratuite. Mais chacun son combat, Arguteur, tu as bien raison. Mais cela dit, un truc tout bête, hein. Nous, chez Shadow France, tous les matins, Esline nous fait le petit déjeuner, et bah rien que ça te donne du bébé au cœur, tu vois. De savoir qu'il y a une petite madeleine qui t'attend et deux noisettes, rien que ça, c'est grave cool. Merci Mister Hugo Music de nous hoster, c'est très gentil de ta part. Non mais c'est vrai, parce qu'encore une fois, en France, en fait, c'est ça qui me plaît aussi, c'est qu'en fait, cette tradition états-unienne, on l'a déjà en France depuis un moment, et jeu de fruits évidemment, bien sûr. On l'avait déjà en France, bon aux US c'était une obligation, mais c'est une volonté très tôt de Manu de faire ça, et c'est déjà cool. En vrai c'est déjà très très cool. Que Esline se pète le cul pour nous, alors qu'en plus elle est toute seule et qu'elle a pas de. Parce que moi je prends une madeleine et deux noisettes, et tu peux prendre plus si tu veux.
C'est quoi, mais t'as compris l'idée. C'est pour ça que j'aimerais tous qu'on mette un petit cœur dans le chat, je vais le faire aussi, hein, pour Esline, qui nous donne à manger tous les jours. Victor, l'homme enrhumé en juillet. Oui, bah c'est ma meuf, hein. Voilà, un petit cœur pour Esline, qui fait tout pour nous rendre heureux, et ça, c'est un travail formidable. Et les locaux de Shadow pour les devs se trouvent où? C'est quoi l'adresse? Ah bah c'est notre adresse qu'on a à Paris, hein. Ça balance la compagnie. Bah oui, mais oui, elle fait chier parce que elle met le ventil dans la chambre. Moi, je supporte pas ça, ça me... Voilà, la gorge, hein. Et en plus, après, bah ça... Ouais, bref, voilà. Je chope la crève parce qu'elle met le ventil dans la chambre. Ouais, ça fait deux jours que je dors sur le canapé parce que j'ai pas envie... Parce que je suis quand même gentil, hein. Parce que je veux pas la réveiller parce que je tousse, hein. Donc, je mets tout sur de la compagne, mais je suis un homme, gentil. Bah en période de canicule, c'est mieux. Oui, bah je supporte pas le ventil, ouais, écoutez, voilà. Hein. Est-ce que je vous le juge, non? Hein, je suis un saint, monsieur Zeko. Oui, tout à fait, oui, marrez-vous, tiens. Je suis passé près de la rue Saint-Denis devant un lieu blindé de boîtes de gosses. C'est ici la tanière de travail, exactement. La fragilité d'un magicien face au ventilateur. Oui, bon, Zeko, ça va, merde, hein. Espèce d'enfoiré, là. C'est que je t'aime, en plus. Bon! Voilà, ça c'était un peu pour Shadow US. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je crois que j'ai à peu près tout dit. Bon, enfin, tout dit. Si, je pourrais vous dire que le mec qui fait des vidéos là-bas, il a une Oldsmobile de 1962, je crois, qui défonce sa mère. Et qu'il y a un autre mec aussi, Clay, qui a une Harley Davidson. Et c'est plutôt stylé. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je me rappelle quelque chose. Là. Oui, est-ce que tu vas bien? À part que je suis malade, Zeko, oui, ça va très... Oui, bah moi ça va très bien. Je me marie dans 39 jours. Exactement. Tout va très bien. Alors, conseil ventilo, il faut déjà le ventiler à la fenêtre et ouvrir une autre ailleurs. C'est plus efficace et tu tombes pas malade. Alors, oui. Oui, mais papa, je suis d'accord avec toi. Sauf que ma fiancée, elle ouvre pas les fenêtres. Puisqu'en fait, elle aime pas la lumière quand elle dort. Du coup, on a des stores noirs qu'elle scotche aux fenêtres. Et donc, je peux pas les ouvrir. Voilà. J'ai réfléchi à toutes les options. Genre, vous avez Atos, il y a des glaces offertes, des tacles, de l'eau et des massages. Il n'y a pas à dire, ça donne envie de venir. On a des petites gourdes individuelles avec des petites fontaines. Vous savez, les fontaines qui sont directement reliées à l'eau de la ville. Qui peuvent être refroidies ou gazeuses. Voilà, on peut avoir de l'eau gazeuse H24. Les massages au club 128, oui. Zeko, tu connais les bails. Les glaces, c'est vrai qu'on a des glaces aussi. Massage, ça fait longtemps, mais en même temps, massage, ça devient compliqué. Parce que quand on était 60, les massages, c'était facile. Maintenant qu'on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué. À voir. Mais un jour, Zeko, on ira, je te jure. Par contre, il paraît que c'est un énorme scam, au passage, sache-le. Sache-le, Zeko, la caution que tu payes à l'entrée, tu la récupères pas. Parce que Zeko... Alors, vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de dire à Zeko, mais sache, Zeko, que y a des gens qui laissent des avis Google sur le Club 128. Et j'ai appris ça me fait beaucoup rire. Ah ouais, nous, on a, à la piscine, on a le droit à 15 minutes de pause pour 5 heures de travail. On peut se baigner pendant notre pause. C'est plutôt sympa. Tu rentres dedans, en fait, c'est vide. Les gars, on n'est pas là pour parler du... C'est un peu le problème d'avoir sa garde rapprochée. C'est un peu le problème d'avoir sa garde rapprochée qui vient pendant le Shadow News. Enfin, le Shadow Morning, c'est que du coup, tu parles de trucs que personne ne comprend. Va voir ça, Zarko, va voir ça. Enfin voilà, est-ce que vous avez des questions sur les US, sur Shadow US, sur Shadow France, tant que c'est pas de la technique? Profitez-en, je suis là, les gars. Le live, on le termine dans pas très longtemps, hein, pour une fois que j'étais à l'heure. Ah oui, au passage, on a un superbe coussin. Shadow, voilà, on l'avait pas avant, je préfère vous le montrer. Parce qu'il avait un peu de gueule. Je vous écoute. Quel est l'avenir immédiat de Shadow? L'avenir immédiat de Shadow, c'est de préparer l'avenir futur de Shadow. T'attendais pas celle-là. Non, l'avenir immédiat de Shadow, c'est ça va être du lourd, quoi.
ça va être enchaîné à fin de l'année pour tout défoncer, quoi. Adrien va faire un live pour se présenter. Je veux pas rater ça. Je m'y attendais absolument pas, en effet. Je pense qu'Adrien sera dans le, j'espère, dans le Shadow News version US. Donc n'hésitez pas à la contacter sur Discord pour savoir. La Keyblade a déjà été expédiée, elle va bien. Non, elle n'a pas encore été expédiée. Elle va bien. Ça, je te le dis, parce que je l'ai vu. Mais en fait, Clara revient bientôt des US. Clara revient bientôt des US, et du coup, elle s'occupera d'envoyer la Keyblade dans de bonnes conditions. Pas de spreadshirt spécial Summer déçu. Oui, ben on a abandonné le spreadshirt. Hein. Moi, j'ai mis en place un spreadshirt à la va-vite, en mode on s'en bat les couilles pour les gens qui voulaient des t-shirts, même si, voilà, parce que spreadshirt, c'est quand même une qualité, bon, là. Mais c'est compliqué de mettre en place un truc de fringue. J'ai très envie qu'on le fasse, c'est toujours prévu au passage, sachez-le. Mais c'est très compliqué à mettre en place d'avoir des fringues de qualité. Et je veux qu'on ait des fringues de qualité pour Shadow. J'aimais trop travailler chez Shadow, le problème c'est que j'ai pas d'expérience en dev. Bah, moi non plus, et pourtant je travaille chez Shadow. D'accord, je viens de voir ce que c'était le club 128. Je sais pas si c'est une bonne idée. En fait, c'est juste en face de nos locaux. Vraiment. Tu vois, genre, t'as Shadow de l'autre côté. Voilà. Ça avance bien les tests sur les ghosts. On n'a pas encore reçu tous les composants, je crois. On les attend toujours aux usines, il me semble. Je dis pas de bêtises. Hein. Fait comme les Jenner, fait un partenariat avec Carrefour. Ok, donc ça compare aux Jenner, super. Programme des futures vidéos. Programme des futures vidéos. Alors justement, on est un peu sur un flou artistique à ce niveau-là. Parce qu'en fait, on aime bien faire les vidéos, attention. Hein. Mais on aimerait bien parler aux gens qui connaissent pas Shadow via les vidéos. Et autant je suis très content des dernières vidéos qu'on a fait, autant elles s'adressent uniquement aux gens qui ont Shadow. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on parle des matchs, tout ça, tout ça. Donc on aimerait bien, d'un côté, continuer ces vidéos-là, qui parlent aux... faire des vidéos qui parlent donc aux gens qui, voilà, qui sont des utilisateurs Shadow, hein, évidemment, sur tel match, tel but, truc, parce que c'est toujours cool à faire. Mais on aimerait bien aussi avoir un format qui permette un petit peu aux gens de tomber sur Shadow sans forcément l'avoir cherché. Tu vois, par exemple, comme quand on a fait la vidéo Cloud Computing, Cloud Gaming, où Stadia va tuer Shadow. Ouais, alors, c'est faire de la pub, oui et non. Dans le sens où... comment dire ça? Parce que oui, c'est de la pub. Techniquement, évidemment. De toute façon, même ce que je fais, de toute façon, même les vidéos que je fais pour vous, c'est de la pub. Mais comment dire ce serait peut-être plus... Comme si on était une chaîne YouTube de vulgarisation. De la technologie. Mais sponsorisée. Je sais que la ligne paraît floue entre pub et ça. Mais c'est l'idée, quoi. En fait, même si tu regardes la vidéo et que tu t'en bats toujours les couilles de Shadow... Tu te dises, ah, la vidéo était quand même cool. C'est vraiment l'idée, quoi. Genre, ah oui, d'accord, bon bah j'en ai appris plus sur ça, c'était sympa à regarder. Et j'ai découvert ce qu'était Shadow. Point. Voilà, ce sera à peu près l'idée, quoi. Donc c'est un peu la réflexion qu'on se fait en. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne sort pas de. Oui, c'est une nouvelle forme de market, ni plus ni moins. Oui, voilà. J'ai pas vu d'OPSP avec les youtubeurs maintenant que la modélisation redevient de plus en plus dure. La plupart des youtubeurs ont besoin de thunes pour financer leur société. Et je pense que c'est le moment, non? On discute déjà avec beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs, mais d'une manière un peu spéciale. Bref, voilà, c'est. On réfléchit à tout ça. Alors, Vaticui, le sujet de l'RTX. Alors, nous, le Shadow News, le Shadow Morning n'a pas pour vocation à parler de technique. Donc, le sujet n'a pas été abordé et il ne sera pas abordé. Tout simplement. Un t-shirt à 40 balles, Benin France, j'achète. Mais pareil, Docteur Valentin. Tout pareil. Donc voilà, on est en train de réviser. Et en fait, s'il n'y a pas de vidéo en ce moment aussi, c'est parce qu'on prépare un peu toute la communication de septembre. On a des plans qui sont ambitieux, qu'on vous dévoilera en temps voulu. Du coup, pas de vidéo en ce moment parce que tout le monde est très occupé à droite à gauche. Tu veux une anecdote courte, banale, mais cool? Si elle est courte, banale, mais cool, je veux bien. Après, faire des OPSP en masse, c'est pas le meilleur truc. Bah, ça dépend. Ça dépend. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Un Créatif qui est très intéressante à ce sujet. Sur NordVPN.
qui d'ailleurs au passage est sponsorisé par NordVPN, la vidéo d'un créatif sur NordVPN. Mais imaginez. Imaginons. Demain, on fait une OPSP avec tout le monde. Fred, ton acolyte, Jamie, toi, Marcel, Emmanuel. C'est pas très gentil ça, pour Emmanuel. Imaginez. Ouais, c'est ça, faut pas faire une OPSP non plus. Bah alors, oui, mais. Shadow, vous savez, en France, Shadow a une petite visibilité. On est un. Alors, comme on dit dans le milieu, on a un taux de brand awareness entre 10 et 20%. C'est-à-dire qu'il y a parmi notre cible, donc les gamers PC, il y a 10 à 20% des gens qui nous connaissent. Voilà. J'ai pas fini ma phrase là-dessus, hein, je vais enchaîner. Faire une NordVPN, comme on dit dans le milieu, même si ça peut gonfler les gens, ça permettra aux gens de connaître Shadow. Mais que beaucoup, beaucoup de gens puissent connaître Shadow, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On serait pas dans une vision de vendre à tous les gens qui regardent la vidéo, mais que tous les gens qui regardent la vidéo soient au courant que Shadow existe. Et ce qui fait qu'ensuite, ça prendrait des ventes. Donc on serait plus sur de la brand awareness que dans la recherche de prospects. Voilà, je parle comme un connard de marketeur, mais au moins ça vous permet de comprendre un peu l'intérêt. Et évidemment, tu as toujours un pourcentage de gens qui vont faire genre « Putain, ça fait chier cette marque qui balance du fric pour tout le monde, j'en ai ras le cul de voir partout. » N'empêche qu'au moins, tu sais ce que c'est après. Alors, je suis allé sur un stream d'Apex et c'est pas j'entends, je peux pas mink in-game, je suis sur Shadow, ni une deux, je contacte les personnes à l'aide de résoudre le souci, l'utilisateur le plus comblé en quelques secondes. Les échos, c'est très beau. C'est exactement ce qu'a dit un créatif là-dessus sur NordVPN. Et il a raison. Et il a tout à fait raison. Très peu de personnes ont besoin d'un VPN, hein. Leur pub doit marcher pour 30%. Oui, mais au-delà de ça, ça permet aux gens de savoir ce que c'est un VPN. Rien que ça. Personne ne sait, chez le commun des mortels, ce que c'est un VPN à la base. C'est dommage d'être aussi peu visible avec un produit qui fonctionne aussi bien. Ah oui, mais ça, c'est... Parce qu'en plus, à l'arrière, NordVPN... C'est un bon comparatif, tiens. NordVPN. NordVPN, c'est un produit... un VPN, à la base, c'est un truc... Je vais des gros guillemets, hein, de geek. Dans le sens où le connard moyen, il sait pas ce que c'est un VPN. Moi, avant de bosser Shadow, un VPN, je savais pas ce que c'était. Et là... Ils se disent, tiens, on va essayer de faire quoi, parce que c'est le VPN, machin truc. Donc, tu dois éduquer les gens à ce que c'est un VPN. Sauf qu'un VPN, l'avantage que ça, tiens, je sais pas qui c'est, ça traîne sur le bureau, mais je vais le mettre. Pour le côté un peu professoral. Le problème, c'est qu'un VPN, finalement, c'est fait pour sécuriser. Donc. Ils n'ont pas peur d'utiliser un objet qui est censé sécuriser leur voyage sur Internet. À Marie, non, je ne sais pas, mais j'entends votre question, Zéco. Mais alors, quelle est la difficulté pour un produit comme Shadow pour être connu de tous, tel NordVPN, par exemple? Eh bien, c'est très simple. Déjà, expliquer un VPN, c'est simple. Un VPN est un outil qui vous permet de masquer votre identité sur Internet, ainsi de sécuriser votre accès sur différents sites, et permet aussi d'accéder à des sites qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Ça se résume en une phrase simple. Mais alors, comment résumer Shadow en une seule phrase? Comment exprimer finalement que Shadow est lui aussi sécurisé, et en plus a des avantages premiers et importants? Là, il y a des difficultés. Imaginez, on paye... tous les youtubeurs de l'univers pour expliquer ce que c'est Shadow, des questions vont rester. Qu'est-ce que le cloud? En quoi est-il bénéfique? Est-ce sécurisé? Pourquoi dois-je payer par mois pour avoir mon ordinateur? Ce genre de choses. Voilà donc toute la complexité d'expliquer au plus grand nombre ce qu'est notre produit. Voilà pourquoi il est dommage qu'un tel produit prendre l'analogie du VPN pour Shadow. Exactement, car ce sont deux moyens méconnus du grand public. Pas forcément pour la sécurité, Dimitri. C'est que Dimitri, si je puis me permettre, Dimitri, un VPN te sécurise, Shadow
les gens se disent, mais est-ce que c'est sécurisé? On est sur un paradigme différent, finalement, un petit peu. Hélène Blouge, j'ai confiance en lui. Et oui, car je suis un professionnel. Comment ça, le professeur? Mais je ressemble pas du tout, arrêtez. Hein. Mais pas du tout, pas du tout. Hein. Le professeur. Qu'est-ce que vous racontez là? Il a pas de blouse. Le mec, il s'attache au seul détail qui compte pas, quoi. Ouais, vite off. Allez, ouais. Je vous l'accorde si vous voulez. Il y a peut-être un petit truc, mais. Viteuf, quoi. Bah, on va mettre côte à côte, hein. On va faire un comparatif, on va voir. Hop, ordre. Ah, vous poussez quand même, hein. Ouvrir l'image dans un onglet, bam. Attends, j'ai perdu mon EBS. Réaction écran. Alors oui, vous allez voir, j'ai pas activé mon Windows, c'est pas chier, d'accord? Je vous connais à chaque fois que vous gueulez pour ça. Ouais, bon d'accord, c'est parce que j'ai les cheveux longs que j'ai les lunettes, quoi. C'est le truc. Bon, pourquoi pas? John Victor. Ça, je préfère déjà, tu vois. Même si pour le coup, pas du tout, quoi. Hop. Voilà, moi j'étais parti pour faire un chat de news posé, je finis avec une blouse et des lunettes, pourquoi pas. Mais mon dieu, Victor, il me dit, sérieux de qui est Milouz. Oui, c'est finalement une réalité, on peut le dire. Je pourrais parler comme ça toute la journée, si je voulais. Bon, est-ce que vous avez, on dirait qu'il y a une qui joue le professeur. Vous avez toujours plus. Bon, est-ce que vous avez encore des questions ou pas? De loin en heure, oui, peut-être pour John. Il faut s'améliorer pour la barbe, je fais ce que je peux. Il est où son chien? Est-ce que Shadow Bigra l'aïkido contre Stadia? Là est la question. Il fait pas de l'aïkido, John Wick. Il fait du Krav Maga ailleurs. J'ai une question, on mange à quelle heure? Eh ben écoute, t'attends encore. Allez, 2h15. Et ce sera l'heure de la tambouille. Bon! Allez, est-ce que vous avez une dernière question pour le professeur? On a le droit d'avoir un peu de questions tech. Alors, je sais que j'ai mis une blouse et que j'ai des lunettes, Caméléon, hein, mais tu vas vite être déçu. Tu sais quoi, je te laisse en tenter une, mais je te promets vraiment rien sur la réponse. Hein. Encore une fois, je suis pas tech du tout, moi. Dans la limite du raisonnable de l'acceptable, oui. Parce qu'on peut supposer qu'il y a une faible chance que ce soit probable que j'ai un début de réponse. Après, j'ai une blouse. Non, j'ai plus 5 en intelligence, hein. Alors ça, je vais te faire un copier-coller, si tu veux, pour ça. Alors, attention, question technique de Sumdeck. Shadow, un jour, avec une communication spéciale pour les professionnels, ou le gros du marché reste-t-il le B2C? Ah, écoutez, c'est quoi, Sumdeck, c'est une très bonne question. L'ouverture au marché B2B est une question qu'on a le droit de se poser finalement, mais qui demande des caractéristiques techniques et des spécifications un petit peu pour le marché du B2B. Il y a donc des questions à se poser et une réflexion autour de comment faire finalement un petit peu pour faire ce marché du B2B dans les meilleures conditions. Qui actuellement ne le sont pas, puisqu'il faut une différenciation des offres, ainsi que des dispositions techniques, comme par exemple des data centers directement chez le client, ce genre de choses, afin de pouvoir satisfaire la demande du B2B. Et doit-on le rappeler, est-ce que finalement on a besoin d'une 1080 quand on fait de la comptabilité? Victor et Denis, ça fait peur, oui. Alors, non, mais ça serait super rigolo de pouvoir faire une carte réseau dédiée pour connecter deux Shadow en interne ensemble sans passer par Internet, mais par le LAN de chez Shadow. Oui, bah, Caméléon, c'est ce que je t'avais dit, c'est trop technique pour moi. Charisme moins 1000, du coup. Non, tout de même. Je suis quand même El Professeur d'El John Wick, merde. C'est pas rien. Bon, allez, une dernière question et moi j'y vais, les loulous. Une dernière question et je me tire. Parce que mine de rien, j'ai quand même du boulot. Elles sont passées où les blagues du matin? J'ai une blouse et des lunettes, je sais que c'est pas foufou, hein. En termes de... Non, j'ai bien compris que t'as vulgarisé, Caméléon. J'ai bien compris, mais tu... Il nous a appelé les loulous. Bah oui, les loulous. Bah, c'est quand même plutôt mignon comme surnom.
Je pensais avoir une présence un jour sur un salon comme Amsterdam. Ah ! Ah ! Non, bon, oui, pourquoi pas ça ? Pourquoi pas, mais encore une fois, ça suppose que t'es 9 buts, c'est tout, quoi. Mais ça change pas que... comment dire ? C'est pas la même façon de communiquer, de façon, entre le B2B et le B2C. Ah, quand la maman a Victor dans une BMW, elle a une très jolie DS. Ma maman. Bon, allez ! C'est quoi cette voie d'enquête spéciale ? Putain, je vais pas le faire. J'allais faire en plus d'enquête spéciale. J'ai touché un truc ? J'ai rien touché, les gars. Y a une différence, là ? 1, 2, 3 ? Et je n'ai pas mis de filtre, je n'ai cliqué sur rien du tout. Je n'ai rien du tout. Mais tu ne comprends pas ce qui... T'as une voix genre t'as fumé 20 gauloises sans filtre. Ah bon ? Alors c'est ça, c'est un... Attends, vous dites quoi ? C'est le fameux bug de Twitch, même bug que Vezerator. Eh ben écoutez, hein. Cancer de la gorge, bonjour. Écoutez, c'est un bon moment de finir live finalement si. Attends. Bah, attention, vous allez avoir de l'écho normalement, hein. Attends. Bah non, je suis con, j'ai pas le son sur le. Ah, attendez, je suis curieux du coup. Alors bougez pas, faut que je vois ce que ça donne. Victor Muet, tu vas voir, c'est bizarre. Mais sérieusement, les gars ? Ça me paraît fou ce que vous me dites. She got a wham, bam, she believe in a fella. Voyons voir. Bougez pas, vous voyez ce que ça donne. Oh putain, ouais! Victor Muet, tu vas voir, c'est bizarre. Mais... C'est... Oh putain, c'est fou ça! Oui, vraiment, ça fait la. Oui, ça fait un peu. C'est un bug du Blue Yeti. Ah bon? Bah, ça me paraît fou. Ça, vous savez ce que ça rappelle? Genre, vous savez, avec le visage crypté, avec le. Oui, voilà, nous on n'a pas le temps de discuter avec les forces de l'ordre. Arrive un moment où là, soit on réplique, soit c'est eux qui nous ont. Bon, écoutez, je vous laisse. Defecator. Putain, c'est ça. On défake sur les fakes. Bon, allez, des bisous à tous. Merci beaucoup pour ce stream et cette voix apparemment testiculaire en fin live. C'est... Arrête avec la case de papel. Je vous fais des bisous et je vous dis à jeudi pour un Inside Shadow. Ah, tu penses que ça équilibre ? Si je parle comme ça, tu penses que ça rééquilibre, Rastek ? Voyons voir, 1, 2, 3. Est-ce que ça équilibre ? Je suis pas sûr. Je pense que c'est juste plus étrange. Top. Bella, tchao. Absolument pas, oui, c'est bien ce que je pensais. Allez, des bisous à tout le monde, à la prochaine, bye.